La garde à vue du mari d'Alexia Daval, soupçonné d'avoir tué son épouse au cours d'une dispute conjugale en octobre, a été prolongée mardi, a indiqué son avocat Ornelas Patafora. Une nouvelle audition devait avoir lieu, dans la matinée. La procureure de la République de Besançon, Edwige Roux-Morizeau, a annoncé la tenue d'une conférence de presse, ce mardi à 20h. Jonathan Daval a été interpellé lundi à son domicile de Grès-la-Ville, Haute-Saône. Entendu dans la soirée, il continue de nier. Il est fatigué, mais prêt à répondre aux enquêteurs, explique ce mardi son deuxième avocat Mechouer d'Orphée. Plusieurs éléments ont mené les enquêteurs sur la piste du mari d'Alexia. Alors qu'il avait assuré ne pas être sorti de leur domicile après leur retour d'une soirée dans la famille de son épouse, un voisin a entendu une voiture devant chez eux la nuit. L'analyse des éléments électroniques du véhicule de fonction de Jonathan Daval a confirmé qu'il avait bougé cette nuit-là. Les traces de pneus relevées près de l'endroit où le corps d'Alexia a été découvert ont des correspondances avec ceux de cette voiture. Fermez les parenthèses, effectivement, pose des véritables questions et Jonathan n'est pas soupçonné par hasard, a-t-il lâché évoquant les éléments dont disposent les enquêteurs sur le véhicule et sur le drap. En revanche, il a affirmé ne pas savoir si l'ADN de Jonathan Daval avait été retrouvé sur le tissu et que cela pouvait changer des choses. Le seul capable de dire s'il est coupable ou innocent, c'est lui-même, a poursuivi son défenseur ajoutant qu'il fallait attendre la fin de la garde à vue pour en savoir plus. Sa garde à vue doit prendre officiellement fin à 4h30 mercredi matin. Mais elle peut se terminer plus tôt, si les enquêteurs le décident. Les proches de la famille sont sous le choc de cette interpellation. On espère vraiment que ce n'est pas lui. Parce que sinon, c'est dramatique, on est en plein cauchemar, s'est confiée une tante d'Alexia aux Parisiens. Ce mardi matin, les parents de la jeune femme ont fait savoir par la voix de leur avocat qu'ils souhaitent de tout cœur que Jonathan soit relâché. Sur France Info, Jean-Marc Florent a expliqué qu'ils maintiennent la même confiance qu'ils avaient vis-à-vis de leur gendre avant la mort de leur fille, et cette confiance n'a pas été remise en cause jusqu'à ce jour. Les parents d'Alexia ont été entendus comme témoins dans la matinée. La procureure doit faire un point à 20h ce mardi.